Vite l'homme innocent, il est mort. Chef gang les zones, qu'elle te voyait altraé banda, piafé, dans zone bristouan, tombé le pas levé. Madame, messieurs, dans le moment de parler à la, chef gang les zones, monsieur Telal parle encore. Tout ça qui c'est Timoun qui est levé dans la zone. Bon ben, monsieur, après le soin, t'as théorisé la population, et bien après, t'as cherché lieu par où, monsieur fait pirouette, l'idescend, dans la base innocent, vite l'homme. À la préformation, M. Gamounzouli, et bien vite l'homme de besoin de replacer un nouveau chef dans Bristou encore, dans la zone Bobin, livrer les oignons. Tout le monde connaît les oignons, hein? Mesdames, mademoiselles et messieurs, sous nom Youn Nanek qui est très très influent, l'autre bossa, il y a M. Johnny Joseph. Donc tout le monde connaît M. Soutino tout. Tout sujet, les oignons. Dans le moment où on a parlé à la, je suis désolé pour les oignons. Donc, où en battait, je vais vous détailler, je vais vous expliquer qui a été misé. Monsieur, il fait ce qui est passé. Mesdames, messieurs, si j'ai un garçon sur Abgad là, c'est parti, diable, donc tu es sur monsieur. C'est parti, bagaille, non, monsieur, pas fait. D'ailleurs, mon policier est victime mystiquement dans monsieur là. Mystiquement là, monsieur frappe un policier, il mange de votre policier là. Je vais vous toutes les informations, je vais vous détailler. Mesdames, mademoiselles et messieurs, regardez l'image ça très très bien. Faut qu'on est ensemble avec point. Là, nous pratiquement dans la zone radio-télévision, radio-télé-zénith. Où est-ce qu'il y a espace où est comme si dans tout en jaune? Eh bien, c'est pratiquement Kai. Donc, c'est là radio-zénithier. Ok? C'est là radio-zénithier. Est-ce qu'on te connaît? Donc, monsieur Jeff Kadaran, yo prend contrôle zone ça? Est-ce qu'on te connaît? C'est boss de gars fumé dans l'espace ça, yo là? M'bral informe, m'bral permettre qu'on comprenne. Mes frères et sœurs et amis, gros nouvelle, dans le moment où on a parlé à la, mauvaise nouvelle pour André Michel. André Michel, Majori Michel, tout nèg qui était dans le pouvoir, PM Ariel Henry, yo, yo ge cause dans le yo, yo yon pas prêté dans le pouvoir. D'ailleurs, ça peut le passer actuellement là, ce bagay qui grave. Car il connaît, fait connaît. Tout savon, l'homme a fait, yo a obtenu ici là pour faire. Donc, li pap d'accord pour le faire, yo. Li dénoncer ministre justice là, et li prophète. Madame Zaha, qui chaque mois prend 15 millions de gouttes manger maintenant pour faire appel à elle. M'bral qui te sait ou tende avec des oreilles ou pour comprendre personnellement. Bonjour, bonsoir pour tout, est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il est en kembe? Tout bagay posé, nous parti. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24h sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. Mesdames, mademoiselles et messieurs, on a exactement dans ça qui a avec information ça ti jeune sur regard sur écran. Monsieur, c'est une petite mafia qui levé dans zone Bristou. C'est là monsieur fait selon information. C'est là monsieur fonctionné, joue petit football li. Mais depuis quelques temps chercher monsieur, y a pas j'aime ouais monsieur. Qu'on a que des monde qui dit est-ce que monsieur c'est mourir mourir ou bien est-ce que c'est Saint-Domingue l'aller qui ça t'est passé monsieur? Eh bien Johnny Joseph ça tout le monde connaît sous nom les anyon par la suite là. Je pral rendre compte monsieur c'est dans base vite l'homme qui lié. C'est là que gagné un petit mouvement que t'as fait. OK, les nèg te font pire ou monter dans zone de Covid by problème non. Et puis c'est là yo rivé là, yo gardé mesdames mademoiselles et messieurs, yo wè qui est Johnny Joseph ça alias les anyon, gagne gros âme dans mel. Pendant monsieur a gros âme dans mel, li wè moun dans zone ni, li voye balè yo. Heureusement, grand monsieur seulement était touché dans poignette depuis les ça, yo pratiquement tout garde capté monsieur. Mais comment t'as donné monsieur te marre figuer li, li penser population pas te comprendre ni, li penser population pas trouel. Kounyan, monsieur va monter en les ça, mais pas de bonne celle monsieur quand figuer bien oui, li vini dans zone non, dans l'idée, li dit que donc il a quelqu'un pour le cacher, il vient cacher. Le monsieur a mené enquête. Vite l'homme innocent vous et toi, vous venez prendre contrôle zone nan de temps en temps. Donc, l'après l'on de toi nèg. L'inotit ou là, fumé bon chaque jour. Temps en temps, on nèg faut passer côté, temps en temps, pas comprendre visage. Population nerve. Yo font partie de monsieur avant-hier. Yo passe le débat tout petit. Donc, li sauvé avec eux-mêmes. Elle pas vraiment percé. Hier soir, là, yo font pirouette de monsieur. Ah, aïe aïe aïe, mes frères et sœurs amis. Yo font bon jeu mouvement. Donc, y'a le manger monsieur. Et au manger, monsieur Kachmani, dans l'idée, mesdames, mademoiselles et messieurs, justement pour capable permettre que la population bien évacuée, donc avec l'activité. Donc, Tito Osa, Johnny Joseph, alias Les Oignons, donc, monsieur Bala encore,
monsieur là pour un petit temps, monsieur a bien pour le faire frapper dans l'autre période. Mesdames, mademoiselles et messieurs, on allez dans ça qui a ouais à quatre dossiers ça. Moi te dis nous que Radio Télévision Zénith depuis quelque temps rend pile bagaille que me pas trop comprendre. Qui ça qui passé? Quand coule crème ça a situé quelques mètres à ancien commissariat au repos. Quelques mètres à ancien local Radio Zénith là. Ça t'a le dit kay sa li nan mitan Radio Zenit ak commissariat bon repois. Ça veut dire sous côté ou gade là c'est commissariat et l'autre bois c'est Radio Zenit. Tendez bien. C'est là ti monsieur Jeff Canaran yo prend contrôle là-dedans. C'est là monsieur ça fait poste. C'est là ou passe toute journée yo. C'est là y a fumé boz. Yo seulement gè kagoul nan tête yo sans mayo. C'est là ou prend tout temps yo fait cadre Jacques pou ti moun. Et bien mesdames et messieurs, c'est monsieur là yo prend contrôle zone za yo. Mais yon nan bagay ki vraiment dérange l'esprit, m'a dit tête main, si, ok, si la police te gagne 2-3 snipers qui te très près, pour jamais ou nèg yo kon a pa osé devant, selon information que nous gagne, eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, yon tap gete ka voye bal sou yo, yon tap gete ka corrige ka yo. Malheureusement, la police poko kapab prerodol zon sa, eh bien, nan moment, n'ap informé à tout moun, pa fè zon sa du tout, pa fè l. Même si nous ouais zone paraît un petit peu blanche, pas à faire s'il plaît parce que chef de gang yo parlons bagaille pour nous à toute fourmi. M'a gagné pour me porter une vidéo pour nous avec plusieurs détails dans cadre bataille ça n'a mené contre gang yo. En tout cas, information rivée près la cri. Un conseiller Gary Koni mettait parole là dehors. Il dit pas non ken couteau rouillé, il pas non ken fait que déjà rouillé, des bouteilles rouillées c'est gaz à voir dans coin mettons dans petit coin. Emli prophète qui chita mange l'argent. André Michel Volor mafia qui toujours a fait causer fait bail problème l'autre bossa nèg yo tap niche pour être créer dans l'idée pour capable rester OK mesdames et messieurs donc sous pouvoir prendre contrôle et ben Gary Koni dit c'est assez pas gien bagaille comme ça pièce ba me quitter nous tendez pas venir monsieur Koni pas venir là pour faire miracle il pas combattre ton magie toi-même monsieur Koni il a une seule mission restaurer l'autorité de l'état et organiser l'élection libre honnête démocratique inclusive dans un délai raisonnable en ne dépassant pas même moi madame Erta Pascal Touyo fait un 13 mois dans des situations qui plus bon que ça monsieur Koni décidé déterminé pour délivrer des élections dans 20 mois et le 7 février 2026, il va gagner un nouveau pouvoir qui va le colter au problème de développement de la République d'Haïti. Explication sur la décision, ça va pour réduire taille gouvernement. Donc, ou pas besoin au gouvernement qui a 50, ou pas besoin de secrétaire d'État, ou pas besoin de chargé de mission, qui a besoin de citoyens honnêtes, responsables et compétents, et puis qui gagne une certaine représentativité régionale. Donc, nous avons 3 grandes régions, 10 départements géographiques. Il y a le Marien, de la Tortue à Mancini, il y a le Zaragoa de la Tibonite, rivé jusqu'à Pédernal, jusqu'aux Ziwa. Ensuite, il y a la Maguana, qui c'est plateau central, qui c'est la plaque tournante, côté que nous relions tout département ensemble. L'Ipagé en main lui-même, il nous dit que nous avons ouvert les ports au commerce international, pour RAP, indépendant, commune RAP, indépendant, une de l'autre et autonome. Et le SAR, APN pour aller équiper pour eux, qui a mis infrastructure, a mis côté pour banque, et gestion pour eux, a fait une gestion mixte, PPP avec participation des collectivités territoriales. La commune est autonome, a fait des communes par APN, les gens qui ont nettoyé les fatras, ça suspend. Donc, la commune est capable de prendre soin de eux pour communes et réunir des. Nous avons fait développement tout, parce que le développement est local d'abord avant d'être national. Donc ça c'est le plan pour le ministre, Dr. Gary Koni. Et oui, c'est le programme de M. Koni. Donc il n'y a pas rentrer dans toute bagaille, il n'y a pas le temps d'ubiquité. Donc l'affaire, ça vient pour le faire. Rétablir l'autorité de l'État sur tout l'état du territoire, récupérer les territoires perdus, permettre que le 23 juillet, on mouna le Saint-Anne, Tomazo. Permettre qu'on m'en aille à Saint-Pierre en mois de juin, permettre qu'on m'en aille à Mont-Carmel en Sodo, permettre qu'on m'en aille à Tigouave et Wanamed et au Cap le 15 août. Nous pas ambitieux. Premier ministre Gary Koni, arrêtez sous ça en ce qui concerne la formation gouvernement, c'est 11 ministères qui ont gagné. Nous pas bien 18 ministères. Nous pas bien 18. Vous comprenez? Nous pas bien 18, nous bien moins. Et ministère, c'est budget d'Ivor. C'est une bonne histoire. Le premier ministre a un problème pour suivre et rapporter. Police secrète. Tout le premier ministre, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait la police. Le ministre de la Justice gagne 15 millions chaque mois. Police secrète, il n'a pas fait. Le ministre de l'Intérieur gagne même 20 millions. Donc, propre ça, il va développer la police nationale. Comme
avancé en ce qui concerne formation gouvernement? Est-ce que il y a des batailles qui déjà entamées entre CP et Premier ministre Agenori? Il y a des batailles au gouvernement, c'est pour vigiler là ça au témoin quand qui quantité grand box m'a pour Haïti. Il y a 5 ministères qui sont pas négociables, les affaires étrangères, les finances, la sécurité là, la justice, les collectivités territoriales. Donc ministère ça, après tous les autres ministères sont sur la table et les partis représentés au conseil du gouvernement vont présenter des représentants, ils vont représenter deux mondes côté que il y a sélectionné une là pour faire ministre. Et c'est la question axée sur les résultats, on pas les résultats tomber. Donc pas gagner conduction ancien monde qui était dans l'équipe Ariel Henry a gagné tout. Il y a tellement de ressources, tellement de talent que nous pas besoin de conduction. OK, on monde qui oui mettez le gaz pour l'autre. Moi faut chaper pour moi madame mademoiselle c'est monsieur m'a petit avec vidéo ça. Prends son printemps ou tendez profitez tout abonner à la chaîne là si vous faites ça, si vous faites ça et si vous faites ça déjà prends petit temps partagez émission. Nous-mêmes ensemble organisation écologique c'est à eux qui défendent droit pour monde vivre en Haïti dans un environnement sain. Nous déplorer sac Krabinay qui fait nan pak citadel sans souci à Gramier côté que yo rivé en quelque sorte identifier moun qui volait plusieurs canaux bronze nan citadel la Ferrière sans souci à Gramier. Nous dénoncer ça pour on a parlé là environnement pays d'Haïti gagne en pile problème actuellement là dans commune Tomazo plus particulièrement dans lac Azéri en pile poisson a mouri. Et moun continue à consommer poisson sa yo, sans ou pas konn ki cause qui rend poisson sa yo ap mouri. Actuellement la gen gros risque pour que en pile moun kapap mouri s'il s'agit de on pollution qui est liée avec contamination. Donc c'est des problèmes graves actuellement environnement ap confronté. Depuis plusieurs années, nous même ensemble organisation sa yo, par rapport avec dégradation qui existe, que soit dans forêt des pins, que soit dans parc Macaya, que soit dans parc la visite avec un ensemble air protégé dans pays d'Haïti qui livre avec eux-mêmes, nous mandé faut gouvernance environnementale pays d'Haïti changer. Faut gain un autre type de gouvernance côté que a gain une bonne gestion des ressources naturelles. Nous connaît que nous-mêmes ensemble organisation ça depuis octobre 2023, nous commencé faire un paquet de travail dans pays a visiter un paquet de sites, aller dans département sud-est, un paquet de côté dans le pays, pour nous regarder comment l'environnement est. Dans ce sens, ça a passé Ezekiel Macéan, qui va faire un bilan des activités écologiques ou bien environnementales que nous avons réalisées en Haïti, sorti dans le mois octobre pour arriver dans le mois juin 2024. Il y a un l'autre fois qui est sous côté citadelle là. Donc, pas que ça lui-même, depuis les années 80, il y a une disposition qui prend, il a déclaré comme si c'était un patrimoine de l'humanité. Et il faut qu'il y ait une disposition qui prend, il faut qu'il y ait, par exemple, qui se passe, il faut qu'il y ait des mesures de sécurité qui là. Moi, je suis pas là, je suis allé à la citadelle, mon cher, je suis allé à son guide de jeunes, je ne suis pas allé à la pièce, je ne pas sécuriser zone là. Donc, là, il y a une situation qui est la citadelle, sous sens tu décourages le fait que ça ici. Là, il y a une citadelle, pour garder des monuments, sous sens tu confierté. Et au senti que tout le fait que ça haïtien sous des débois, au senti où reprendre force, où reprendre courage, parce que si dans le temps, puis Henri Christophe te fait citadelle, nous-mêmes, je dis, nous devons motiver pour nous capables, pour nous capables de restaurer ou bien redresser ce pays à la situation de là. Donc certainement, nous apprenons une nouvelle là. Et il y aura en quelque sorte des canons en bronze, et il y aura déplacé ou bien au volé. Mais canon, pour les deux fonds, c'est un complicité parce que canon, ça a tellement lourd. Donc, pour lourd, on mobilise autant de ressources humaines et pas un canon qui descend tout sans pas passer dans tout route normal. Et j'en pas clair à tout, même si par exemple, on a pris la citadelle là, on a en bas au rapport. Donc, c'est un complicité. Ça a nous dénoncé parce que canon qui est dans la citadelle là, on pense que c'est presque là seulement, je ne suis pas en bon jeu. Donc, c'est des bails qui sont supposés conserver parce que, pas oublier, air protégé en Haïti, il y a des sites historiques, ça, au parc citadelle, ou il y a des forjacs, mais il y a un patrimoine naturel. C'est des sites pour nous protéger parce que, là où il y a des citadelles capables de permettre de développer le département nord, si toutefois, il y a une bonne politique de gestion. Parce que tellement il y a un touriste qui a visité, et même l'autre citadelle, 50 000 fois, ou pas jamais, qu'elle soit arrivée pour dire, pas qu'elle citadelle encore.
Donc c'est un monument qui charme moun et ou toujours en vie à citadelle. Donc dans ce sens, nous même nous demandons des Hispans. Il faut qu'ils prennent la responsabilité, lui, non seulement pour sécuriser la citadelle, mais environnement citadelle là pour empêcher les gens de continuer à couper bois. Parce que les Christophe fait la citadelle, il dit que c'est non rage, non rage, bois le fait. Donc il faut qu'il y ait une solution qui prend. Parce que les packs citadelle sans souci de rame qui commençaient depuis Milo. Donc, octobre 2023, arrivé juin 2024, ensemble, organisation SAYO, nous faisons des visites de divers côtés dans le pays pour nous constater. Qui j'en évolution yoye. D'abord, dans le département sud pays, nous te faisons une visite côté que nous avons fourni garder la situation environnementale dans le sud pays qui gagne en pile infrastructure environnementale. Nous remarquons en pile pompe gazoline et usine vétiver blayi dans toute ville locale. Ça qui cause les appoliers dans divers côtés, côté que nous sommes exposés à maladies respiratoires, maladies cancer. Dans le poumon et dans la foi. Nous remarquons dans 100 germoplasmes écrasés, tant que les VIA nous ont visité, qui ont coûté l'État environ 2 millions de dollars. Nous visitons, dans la visite que nous avons faite, nous avons joint un projet biodiversité que le ministère de l'Environnement, nous, ensemble avec FEM, a financé dans le département ça. Délégation a rendu une visite également dans le département Sud-Est-Pays. Côté que vous avez visité le parc national, la visite, il y a une forêt pays qui vraiment est dans une situation extrêmement grave. Alors, situation parc national, la visite, là, certainement, n'est pas différent de ce qui a passé dans la forêt des pins, dans le parc Makaya. Côté que les gens dans la zone de Sayo, dans Romakari, dans Seguin, Robert d'Orange et Romabriol, ils ont fait des pratiques côté que les gens ont fait jardin, mettez du feu dans la forêt. Couper bois, faire planche, faire la chaux, ça qui fait que forêt la visite vraiment li nan une situation, si pas gagne des actions et gens qui prend, eh bien, dans un temps encore, nous avons dit que forêt ça capable de disparaître. Malgré que FADECOV, qui est une organisation, fédération qui rassemble plusieurs organisations dans la région la visite, a fait en pile sensibilisation pour capable motiver moun yo, pour capable de gagner l'autre conscience vis-à-vis de forêt. Ça n'a pas empêché que la pratique yo toujours continue parce que moun yo, yo nan motif yo genye qui fait que a fait pratique ça yo, c'est une autre façon yo a chercher pour yo plus bien vivre puisque situation économique moun yo extrêmement grave. Comme conséquence, dans période sécheresse moun yo vraiment a subi une situation côté que yo pas capable joindre l'eau et situation ça fait que j'ai pour XDH en accord avec FADECOV lancé un projet côté que yo lancé combi bleu région la visite qui c'est une initiative communautaire qui a motivé moun nan communauté a pour comment yo ta capable porter une réponse à question bleu que moun yo a fait face. L'autre conséquence encore nous gen dégradation terre yo, nous gen inondation côté que bagay ki pa jamais kon rive nan communauté la visite jounen jodi a depuis un petit la pli 30 minutes de une intensité moyenne tombé. Et bien, de l'eau passe pour un bête mounio, jardin mounio, et de l'eau même commencer côté moun ali. Et nous avons une zone Marigo Peredo qui en aval, zone ça, nous vraiment exposé et vraiment c'est inquiétant de nous constater qui j'en moun ça yon vulnérable. Et si pas gagnon bagay qui fait pressé, et bien, dans un petit temps encore, nous devons chercher moun Peredo, nous pas wè. Malgré Haïti gagne en pile loi, li signé. Un paquet de conventions pour protéger forêt, zone côtière, site naturel qui fournit de l'eau pour boire, de l'eau pour servir, de l'eau pour faire jardin et élevage, et bien forêt continue à diminuer. Pays a sous route pour qu'on ait une catastrophe qui n'est pas jamais connue. Dans la zone Port-au-Prince, il y a une visite qui a fait tout côté que la délégation a visité mon hôpital et en particulier un emplacement côté qui a 15 sources qui alimentaient Port-au-Prince dans l'eau potable. Et bien, zone ça qui déclarait utilité publique dans l'année 91, situation triste en pile selon constat. En pile sous bleu polié, en pile l'autre sous sèche à cause moun construit à riboyo. Et bien, moun nan, moun canapé vert, moun boudou, moun jivena, moun loco, et bien, a construit de façon anarchique qui rend que sous bleu ça yon vraiment sous route pour disparaître. Ça qui augmente le risque pour la région métropolitaine Port-au-Prince connaît un manque d'eau sans pareil
qui a augmenté le risque pour inondation pirette dans toute zone métropolitaine côté que construction anarchique a continué. Si nous quittons la construction et continuons dans le monde de l'hôpital, nous risquons de perdre Port-au-Prince à cause d'inondation. Dans tout le pays, nous avons construit tout partout. Dans la tête, dans la plaine, dans la côte, sans contrôle l'État, en bas de nous. Ça qui crée une grosse insécurité environnementale qui mettait en danger la vie de nous à bien. Dans le cas difficile, le pays est arrivé là, il m'a dit pour nous repenser, relancer les bagailles. Dans tout domaine, dans cet environnement en particulier. D'accord. Sous table là, même gens avec politique. Nous demandons en termes de recommandations pour capable sauver l'environnement, sauver la biodiversité, empêcher les gens de mourir dans le pays à cause d'inondations, pour l'État ici, capable de doter le pays une fois pour toutes de politique publique dans le domaine environnement. Il faut que tout gagne un bon programme d'aménagement territoire. Pour empêcher les gens de construire dans une zone à risque, dans le bord rivière, dans la tête monde, et dans une zone qui est faite pour faire jardin et élevage. Il faut que nous tout fassions après les promotions d'énergie propre dans le pays. Parce que ce n'est pas possible pour actuellement dans le Caraïbes, il y a 9 millions de personnes qui vivent. Dans le Fenois, il y a 7 millions qui vivent en Haïti. Et Haïti, dans tout sommet qui a parlé de développement durable, côté qui a fait promotion pour l'énergie renouvelable. Mais jusqu'à présent en Haïti, dans la Caraïbe, là, dans la région américaine, là, c'est seulement en Haïti, patrie, avec panneaux solaires, cher consacré l'État lui-même n'est pas financé. Donc, nous demandons, faut-il créer des programmes d'énergie propre dans le pays, parce que le ministre de l'Environnement n'a pas qu'être l'autre fonds qu'il a, il faut que le fonds lui-même y aille au service de la population. Donc, pour freiner des ordres qui viennent dans le secteur environnement, nous connaissons le ministère de l'Environnement gagne 20 projets, environ 20 projets, et 20 projets ça a avoisiné en plus passer 1 milliard de dollars. Et gagne tout, fonds haïtien pour biodiversité, fonds haïtien pour biodiversité a gagné là dans environ 50 millions de dollars, mais constat qui fait la vie noté, puis il faut site naturel dans le pays d'Haïti, puis il faut air protégé, tout nous capable de dire là, menace de disparition. Fonds yo, en réalité, yo pas en quelque sorte faire des projets durables, des projets viables pour capable protéger l'environnement. Nous-mêmes nous dit, faut que le ministre de l'Environnement suspende dans main des dirigeants politiques sans scrupule qui pas une pièce sensibilité environnementale, qu'a fait quoi alors que le problème environnement a pas fini dans le pays. Le terrain est tellement catastrophique. Nous sommes capables de dire avec le président ministère et le site comme le site vient plus dégradé. Et la présence ministère n'a pas permis de bonne gestion qui fait de l'environnement. Donc, il est capable de faire une fusion, ou bien capable de trouver une solution côté du ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles, il est capable de l'environnement ou bien du développement durable. Donc, fusion, ça n'a pas mauvais pour que ça gagne direction direction des ressources naturelles qui n'ont ministère de l'Agriculture, mon jeune tout, gain en direction qui occupe soit tout de biodiversité, qui occupe des mêmes ressources naturelles. Donc ça, c'est des capables dans le cadre politique, qui sont capables de réduire les villes d'État, qui sont capables toujours possible, mais moi, il faut que la question environnement, même je dis, aller sous table là. Parce que je dis à son monde sorti dans la rue, il dit pas avec mon balle. Mais si il y a la pluie, moun sa sorti et que le problème est tellement grave, l'on bon côté tant pour canapé fait, son la pluie pour canapé fait, mon cher, en bas canapé fait, puis noter. Donc, l'insécurité environnementale là, elle est aussi grave que l'insécurité politique, ça, on a vu là. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes nous dit. Nous d'accord, pas un problème, si toutefois, ça nous dit qu'il faut que nous réorganiser, il faut que nous remanions le ministère de l'Environnement, si toutefois, vous voulez fusionner avec le ministère de l'Agriculture et des ressources naturelles, aspect qu'il y a avec le développement environnement et que ça sous table là, oui, il faut le faire, parce que la présence du ministère, ça a pour contenu, constat sur le terrain, nous n'avons pas marché dans l'arrière, il n'est pas arrivé à livrer marchandises, il n'est pas arrivé à protéger l'environnement. Donc, son ministère, il faut que nous remanions, il faut que nous repensions, il faut que nous balancions l'autre orientation, ça a même les reboiser, bon, pas qu'être espèce là, il faut que nous protégions. Donc, nous toujours dit ça, site en Haïti, et soit site naturel, il n'y a pas protégé, patrimoine historique, il n'y a pas protégé. Donc, pour nos pays, c'est toute bagaille livrée avec eux-mêmes. Aussi, site ça a été protégé, par exemple.
pas la visite aménagée en pile université, en pile touriste, pour aller à l'Oiseau, ça t'a fait payer à rentrer comme. Donc c'est ça que fait nous proposer, non seulement si ça offre une bonne politique de gestion faite, et si ça en retour capable de permettre qu'il y ait des pommes qui entrent, font entrer, pour mettre non seulement résoudre les problèmes dans la zone, mais résoudre l'ensemble de problèmes économiques, pays à gain. Donc ici, nous avons autant de sites naturels, nous avons autant de patrimoine historique, depuis nous mettons en valeur, nous faisons bonne politique pour nous organiser, nous sommes capables de réduire ces pays. C'est ça que fait nous dire comme ça, fort environnement, il sous table politique là tout. Parce que je dis pas qu'il y a des pièces pour le développement en Haïti, je vais résoudre la question de l'environnement. On ne prend pas tout prince. Est-ce que nous tous là, nous parlons au courant, nous parlons de ville faire la piste, de ville là inondée, mais pour l'inondé, il faut mettre des freins dans l'hôpital. Puis il faut soucieux qui prennent des soins dans l'hôpital. Puis il faut finir tard, il faut construire tout partout. Il faut mettre de l'ordre dans des ordres dans le pays. Donc si nous ne pouvons pas mettre l'ordre dans des ordres, nous ne pouvons pas résoudre l'environnement. Que ce soit belle caille nous fait, que ce soit une belle business, faire la pluie, l'eau a passé pour nous. C'est comme si la vie, messieurs, à terre, ça fait nous estimer, nous comptons la présence de la presse là. Il faut que le gouvernement qui l'a, qui prend bien là, il faut que CP à tout, entre question environnement sous table politique. Là, parce que question environnement, c'est insécurité environnementale, c'est une plus grande insécurité dans la traversée en Haïti. Si nous ne pouvons pas résoudre le problème ça, que ce soit l'autre projet, nous mettons comme si la vie, messieurs. Yeah. Et voilà, c'était tout le temps de déposer pour la vidéo aujourd'hui. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier, si vous vous abonnez ensemble avec la chaîne, profitez de faire ça même. Et pas oublier d'activer la cloche de notification pour capable recevoir notification de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Et vidéo ça, pas oublier de liker et pour capable toujours recommander la vidéo. Merci, nous vous croisons dans la prochaine vidéo. Ciao!